toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour Dieu t'appellera en jugement. Bon fête Joël Grasso. De la compassion des âmes fait aussi partie de la Fédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Notre ministère est un ministère d'évangélisation en même temps pour la destruction des œuvres de la sorcellerie. En fait, le prophète Joël Grasso est en mission dans le Bas Sandra sur le mandat de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous a mandaté afin de pouvoir travailler dans le Bas Sandra. Dans le but de pouvoir, n'est-ce pas, amener, n'est-ce pas, apporter la bonne nouvelle qui est l'évangile et éclairer les gens, n'est-ce pas, sur un fléau, un phénomène qui est la sorcellerie, afin de détruire les œuvres de la sorcellerie. Comme j'ai l'habitude de dire, l'histoire c'est quelque chose qui ne ment pas. Les Blancs, pour atteindre leur position aujourd'hui, que tout le continent africain vit d'ailleurs, parce que chaque Africain, chaque petit Africain aimerait peut-être faire un tour en Europe, mais pour qu'ils atteignent cette position aujourd'hui, ils ont dû combattre la sorcellerie. Ils ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Ça a commencé du 15, 16 et 17e siècle. Aujourd'hui, les UTSM sont rentrés dans leur siècle de lumière. Pour l'Afrique, moi, j'interpelle la conscience des Africains. Il y a deux mondes. Il y a le monde invisible et le monde visible. Pour, n'est-ce pas, entrer, n'est-ce pas, pleinement dans sa dimension, il faut d'abord, n'est-ce pas, détruire les œuvres de la sorcellerie, comme ont fait les Blancs. Il y a eu le bûcher et tout ça. Mais je vais attirer l'attention des gens sur ce que tu fais. Il faut dire que l'Inquisition était déjà le tribunal chrétien catholique. Autant qu'ils ont instauré ça et qui ont, n'est-ce pas, fait un travail de fond, c'est-à-dire que c'est basé sur l'évangile d'ailleurs, sur la parole de Dieu. Pour que cette Afrique sorte, n'est-ce pas, de son siècle des ténèbres, il faut vraiment commencer par prêcher Jésus-Christ, annoncer Jésus-Christ à toutes les, dans toutes les nations africaines et, n'est-ce pas, éclairer le peuple africain, c'est un fléau qu'on appelle la société. Voilà, commencer d'abord à les traquer, n'est-ce pas, et à les amener à la conversion. C'est vrai que nous ne ferons pas le bûcher comme le font les autres, le bûcher et tout ça. Nous allons les éclairer sur un fléau, et c'est quelque chose qu'on appelle la sorcellerie, que tout le monde doit combattre d'ailleurs. Mais regardez, écoutez-moi une chose, je m'avais vous dit quelque chose de très important. Pour que les Blancs pénètrent l'Afrique, d'abord c'est les catholiques, les missionnaires catholiques qui ont pénétré l'Afrique en se basant sur un truc qu'on appelle le calvaire. Oui, sentant la présence de la sorcellerie, ils ont mis le calvaire. Le calvaire, vous allez voir que dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, il y a une croix qui venait d'Italie, qu'on appelait le calvaire, tout ça. Sachant la présence de la sorcellerie. Donc d'abord, vous pénétrez l'Afrique. L'Afrique lutte l'Afrique sous le contrôle de la sorcellerie. Il a fallu d'abord que les missionnaires la combattent, n'est-ce pas, cette la sorcellerie. Mais je m'avais aussi dit que, en fait, le prophète Grasso, sous le mandat de l'Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons, n'est-ce pas, nous sommes dans le Bas Sandra en train d'évangéliser. Et en même temps, la destruction des œuvres de la sorcellerie et tout ça. Mais regardez, aujourd'hui, je suis combattu. Il faut dire que parce que j'ai enlevé un fétiche chez un des cadres dans le Bas Sandra, aujourd'hui, je suis l'objet de beaucoup d'attaques d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai des menaces au téléphone pour arrêter mon travail dans le Bas Sandra. Aujourd'hui, les gens même vont même renouveler la presse. Ils sont allés plusieurs fois voir des organes de presse en train de pouvoir saluer mon image. Aujourd'hui, et plusieurs fois, ils m'ont même attaqué plusieurs fois. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que j'ai toujours leur plan. Donc, ils sont en train d'étudier toutes sortes de moyens afin de pouvoir freiner mon travail dans le Bas Sandra. Vous savez, nous sommes déclarés, n'est-ce pas,
nous avons déclaré la guerre à l'ennemi dans le Bas-Central. Parce qu'au fait, moi je m'adresse aux cadres. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans le Bas-Central, c'est pour vous aider, n'est-ce pas, à connaître, n'est-ce pas, pleinement la gloire et à vous permettre de pouvoir investir chez vous. Investir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes invités par le village de Boïko. Boïko, voici ça, le village de Boïko. Voici un procès verbal. On dit le procès verbal consentement de la veuve venue du prophète Joël Krasou Shalom à Boïko. Voilà, voici toute la lettre que les gens nous ont adressée. Appréhension, préfet, gendarmerie, FSI, ainsi de suite. La lettre nous a été adressée depuis le 26 juin 2012. Je remercie le préfet de la région Lida, le préfet de la région de Fresco, qui a reçu hier un de mes collaborateurs, le pasteur Aquilas, qui l'a bien reçu avec le sous-préfet. Vraiment que Dieu vous bénisse tout ça. C'est vrai que j'ai dit au pasteur de reporter reporter un peu, parce qu'on devait en principe cette semaine être là-bas à Boïko. Mais j'ai dit au pasteur de reporter cette croisade, parce qu'il me semble qu'il y a un camp de prière catholique qui est actuellement organisé à Boïko. Comme nous ne combattons pas les églises. Et nous croyons que nous travaillons dans la même vision, c'est dans le but d'amener les âmes à Jésus. Donc j'ai demandé au pasteur de qu'on décale un peu la date, qu'on la remette jusqu'à mi-septembre. Je vous dis, je ne suis pas en train de faire une guerre religieuse. Je ne suis pas en train de faire la guerre des religions. Mais moi, je prêche Jésus-Christ. J'aimerais que l'Église comprenne que ce combat, nous le menons contre les forces du mal. Ce combat, nous le menons contre Satan. Parce que pour qu'aujourd'hui, les Blancs puissent merger, connaître leur position, ils ont dû combattre les œuvres de la sorcellerie. Ça, c'est clair, au Moyen-Âge, du 15e, 16e, 17e siècle. Est-ce que la sorcellerie n'existe pas? Si elle existe, qu'est-ce que l'Église? Quel est l'apport de l'Église? L'Église apporte quoi pour que cette chose soit détruite? Aujourd'hui, j'aurais même impliqué les hommes religieux dans cette histoire, à point que le curé de Fresco, en train de me vilipender, mais qu'on ne sent pas d'ailleurs, il y a aussi le pasteur Lévi méthodiste, ainsi de suite. Il y a tellement de choses. Moi, je ne suis pas en train de mener une guerre contre vous, je mène une guerre contre les œuvres de la sorcellerie, qui est une guerre noble, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, plus que moi, que les sorciers sont anti-développement. Et nous voulons connaître une Côte d'Ivoire développée, une Côte d'Ivoire qui entre pleinement dans sa gloire, qui entre dans une phase de bénédiction. S'il vous plaît, je pense plus que vous êtes de Jésus. Hein, que Dieu vous bénisse. J'ai béni la région du Bas-Central. Et moi, personne ne pourra m'effrayer parce qu'on me menace au téléphone. Ils ont déjà vu des organes de presse pour bassaliner mon image. Ils sont en train de menaces de mort et ainsi de suite. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. J'ai foi en lui. Moi, mon souhait, c'est de voir le Bas-Central. Et toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique délivrée de cette emprise satanique. Shalom à vous.